Salut à tous et salut à toutes, c'est Oliver Plasma qui va vous montrer Axiris et Obélix XXL sur GameCube. Alors Axiris et Obélix est un jeu de plateforme assez moyen, mais ça peut aller. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut entendre les voix françaises. Ça me plaît, il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça. Bon, je vous laisse admirer déjà le début. Comme vous pouvez voir, niveau graphisme, c'est passable, c'est pas mal. Heureusement, c'est mieux que Sonic. C'est mieux que Sonic Adventure. Bon, lui, il nous explique ce qu'il faut faire en gros, mais bon, on s'en fout un peu parce que je connais. En gros, là, il faut battre... faut avoir 30 casques. En gros, faut battre 30 Romains, quoi. Ou avoir 30 casques. Tranquille. Et à chaque fois qu'on tue un Romain, il nous lâche un casque. Sinon, au niveau musique, niveau bande-son, ça me rappelle pas du tout Axiris Obélix. Mais bon, c'est pas mal quand même. Des petites musiques électroniques. Bon, ouais, j'ai déjà fini la mission. C'était rapide. Et là, en gros, il va m'ouvrir le passage. Il y aura souvent des petites missions comme ça. Vraiment pas difficiles. Et sinon, niveau durée de vie, c'est lamentable. Lamentable pour un jeu où il y a des sauvegardes. Pour un jeu de GameCube, quoi. Parce que franchement... la durée de vie, c'est une durée de vie aussi grande qu'une durée de vie d'un jeu de NES. Le jeu en finit en 5 heures. À peu près. Bon, la première fois qu'on le fait, je pense qu'on finit en 7 heures, mais voilà, c'est pas terrible pour un jeu de plateforme. Un jeu de plateforme, moyennement, c'est... normalement, c'est 20 heures. Donc, une durée de vie impressionnante.
Encore, si c'était un FPS, on dirait, bon, ça va, mais c'est un jeu de plateforme. Enfin bon, vous verrez Asterix Obélix, jeu d'FPS, ça sera marrant. Quelques décors assez moyens hein, comme les chevaux là, c'est pas terrible, mais bon, c'est un arrière-plan on va dire, y a pas besoin de faire des décors de ouf. Là il dit qu'il y a un laurier, et les lauriers faut en collecter à chaque fois. Là dans ce niveau là il y en a 5, et dans d'autres niveaux il peut y en avoir 10. Faut tous les collecter pour avoir des bonus, donc ça rallonge un peu la durée de vie. Mais bon, ça reste quand même moyen. Mario Sunshine à côté de ça, dis donc qui lui a une durée de vie incroyable. Ça me fait drôle. Ce petit morceau de bois. Sinon, je vous parle graphiquement. Les arbres, ils sont pas mal. Ça fait un peu penser à la bande dessinée. Mais c'est quand même assez moyen. Et ce jeu-là, il existe aussi sur PS2, et même, c'est mieux pour ceux qui ont des PS2, parce que il y a les deux, il y a XXL1 et XXL2, que sur GameCube, il n'y a que le premier. Donc, on ne pourra sans doute pas vous montrer le deuxième. Si Fireflav va l'avoir un jour, mais ça m'étonnerait. Et le 2, on l'avait essayé chez un pote, et c'était vraiment pas mal. Le jeu, il est mieux que celui-là. Celui-là, il est assez moyen, car la durée de vie est assez faible. Le 2, je sais pas, parce que je l'ai pas fini. Je vais juste essayer. On y avait joué très longtemps, mais bon. Je sais plus combien de temps, ça fait tellement longtemps. Mais je me souviens aussi qu'il y avait pas mal de Romains qui se déguisaient en Mario ou en Sonic. Une petite référence à Nintendo et Sega. Mais je trouve ça un peu bizarre sur une PS2 de voir Nintendo. C'est vrai que c'est assez arbre. Car la PS2, Sony, quoi, et ben c'est des rivaux contre Nintendo aussi. Ce sont des rivaux. Donc je comprends pas pourquoi ils reprennent Mario dedans. J'ai toujours trouvé ça assez étrange. Bon, moi c'était un petit clin d'œil. Son niveau de difficulté dans ce jeu là c'est pas mal. La difficulté est vraiment très difficile, à part si on a bien sûr le twister combo qui en gros on crée une tornade et ça détruit tous les humains, tous les romains dans le passage quoi. C'est une attaque un peu cheatée je trouve. Avec cette attaque là, on l'a fait une fois, on tue au moins 600 romains, normal. Je vais essayer de battre 1000 romains sans cette attaque, sans combo. Et franchement, j'ai mis au moins une heure. Je ne préfère pas recommencer. Et j'avais vraiment galéré. Donc franchement, il y a vraiment besoin de cette attaque, hein, le combo twister, pour réussir au dernier niveau.
à Rome. Que je vous montrerai sans doute. Ça fait déjà 10 minutes. On peut courir plus vite en appuyant plusieurs fois sur le bouton X comme ça. Il y a toujours le druide, enfin c'est pas le druide en fait, parce qu'il a pas la petite coiffure derrière, c'est, il est différent un peu. C'est un simple druide. C'est pas Ronamix. Ils se ressemblent beaucoup, hein, on dirait des jumeaux, mais bon. Une petite sauvegarde. Ça fait pas de mal. Là, si je me souviens bien, on va combattre environ 70 Romains. Voilà, il va nous dire qu'il a retrouvé Idéfix. Il me saoule un peu ce petit bonhomme. Ce petit passe-partout. Dans le jeu, il y a différents casques. Il y a les casques bleus, comme vous pouvez le voir. Et plus tard, on va récolter aussi des casques en or. Des casques de capitaine. Et franchement, ces casques-là, ils valent 10 casques bleus. Donc c'est pas mal. Surtout que dans le jeu, on peut avoir aussi des items en croix. Enfin, c'est juste une multiplication. Et ces items-là permettent d'avoir... Par exemple, on en retrouve un qui fait x3. En gros, ça multiplie par 3 les casques qu'on vient d'avoir. C'est pas mal. Et aussi, on peut balancer les Romains comme ça. C'est pas mal. Une petite technique que Obélix utilise très souvent, j'ai remarqué. Sinon, pour vous parler de l'IA d'Obélix, bon, elle est moyenne. Hein. Elle est même un peu conne. Hein. Elle frappe que quand on frappe nous. Donc c'est un peu con. Et même parfois, elle frappe pas. Oula, c'est moche. Petite potion d'invincibilité, ça fait plaisir. Avec ça, on peut courir deux fois plus vite. Enfin, même plus que deux fois plus vite, j'ai l'impression. On peut même les défoncer en courant. Pas de potion magique, non? Je me souviens qu'il y en avait une ici, mais bon. Magnifique, 1 x 10. Donc tous les casques que je récolte font 10. Donc ça c'est vraiment bien. Le problème c'est que cet item au bout d'un moment disparaît. Ouais, il faut pas non plus que ça reste tout le temps en jeu. Ce sera trop facile sinon. Sinon, je trouve que la difficulté du jeu est très bien dosée. Là, on peut voir que le premier niveau est très facile, le deuxième va être un peu plus compliqué. Et je vous le dis tout de suite, le deuxième niveau est le niveau le plus long du jeu. Donc c'est pas mal. Ça va être le niveau le plus long du jeu. Et plus chiant peut-être.
vois, si rencontrer un vendeur qui va nous vendre, bah, bien sûr, les combos. C'est comme ça qu'on gagne les combos. Car évolution, c'est tous les combos qu'on peut gagner. Combo Twister, qui est le combo le plus puissant du jeu. Combo Twister Fusion, c'est juste le même combo, mais en plus puissant. Et je vois pas à quoi ça sert, parce que déjà, il est déjà assez puissant. Puis d'autres combos que j'avais essayé, mais qui ne servaient à rien par rapport au combo Twister. Vous pouvez que tuer 9 Romains, quoi, d'affilée. C'était pas grandiose. Actiris court très bizarrement. On dirait qu'il a le feu au cul. Voilà, il y aura une petite phase de plateforme. Bon, très facile, hein. Ça va pas être une phase de plateforme à la Dragon Slayer. Dragon Slayer, l'un des plus nuls jeux du monde. Mais on a été vraiment gentil avec ce jeu. On l'a pas noté durement. Et merde. Je vais pas... En gros, il dit que les caisses en fer sont très résistantes. Et que là, faut pas se planter, il faut tout de suite trouver les x10. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Ça récolte beaucoup de blé. J'ai l'impression qu'Obélix est un peu plus lent. C'est peut-être pas qu'une impression. Bon, je vais vous montrer le vendeur, là, il est juste à côté. D'abord, on pète les caisses. Obélix est peut-être un peu plus lent à la marche, mais par contre, pour taper, il est plus rapide. Sinon, ils ont la même puissance de frappe dans le jeu. Il n'y a aucune différence. Voilà, bah, tout ce qu'on peut acheter, combo rage, combo marteau pilon. Bon, je vous le dis tout de suite, combo rage, c'est de la merde. Voilà. Et pourtant, il est très cher. On pourrait croire que c'est de la bombe, mais c'est de la merde. Je peux déjà m'acheter ça. Le combo marteau pilon. Mais je pense pas que je vais le prendre. Je vais tout de suite prendre le combo twister en premier. Qui est le combo, bien sûr, le plus cher, en même temps, c'est le meilleur. Le combo twister, on le rencontre assez tard dans le jeu. Enfin, la moitié, je pense, à peu près. Ouais, il faut battre tous les Romains, parce que sinon, on peut pas avancer. Le problème, c'est qu'on peut pas voir le nombre, combien de Romains il reste, mais bon. Enfin, bon, on voit déjà qu'il en reste que 4. Il y en avait un derrière moi. Il y a l'autre qui court comme une lopette. Au niveau de l'IA, bah, l'IA, franchement, on dirait qu'elle est peureuse. Il faut que de courir. Au lieu de vous foncer dessus pour vous frapper, il y en a plein qui... Il y en a 50% qui s'enfuient. Ah bah c'est les Romains, hein, c'est bien repris. C'est le truc qui a bien repris, je trouve, dans le jeu. Qui est bien repris de la BD. Les Romains ont souvent peur des Gaulois. On dirait qu'on est déjà à la fin de la vidéo. Alors, à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et je continuerai le deuxième niveau pour vous.
Et en espérant qu'il y ait Fireflav aux commandes la prochaine fois.